Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Scolaire 2020-2021 est effective à travers le temps du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma. Ouverture ce lundi 12 octobre à Pullman Hotel de l'atelier résidentiel sur la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique. De plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Comme je le disais dans le sommaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, a donné le go de la rentrée scolaire ce 12 octobre 2020 à Litigombe et le collège Saint-Raphaël à Limété. Suivez ce qu'a été cette rentrée. Alors que nombreux n'y croyaient plus, la rentrée scolaire a été effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un pari gagné pour le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, dont la ténacité et la détermination finissent par payer. Willy Bakonga s'en est lui-même rendu compte lors d'une visite ce lundi 12 octobre dans deux écoles à Kinshasa, Litigombe et le collège Saint-Raphaël dans la commune de Limété. Accompagné d'une forte délégation où l'on pouvait distinguer entre autres le directeur général de l'UNESCO RDC, Willy Bakonga a pris le temps de rassurer les élèves et conscientiser le responsable scolaire sur les dispositions prises contre la pandémie de la COVID-19 en milieu scolaire et les rôles que chacun doit jouer pour que cette année soit un succès. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Il n'y a pas d'enseignant qui hésite encore. Je ne pense pas. Je n'ai pas vu. Je suis dans une école catholique. Ça veut dire clairement que les enseignements ont déjà commencé. Et ceux qui restent encore à la maison, je ne sais pas, puisque je n'ai pas l'information, je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres enseignants qui restent à la maison, qui sèchent, n'est-ce pas, le cours. Ce qui est important est que nous devons nous engager tous, nous devons prendre collectivement conscience de nos responsabilités, hein, puisque nous devons former cette jeunesse. Et les enfants, les élèves n'ont pas besoin de nos caprices, n'ont pas besoin de nos petits problèmes que nous devons finalement régler. C'est donc un satisfecit pour l'homme de la gratuité qui a aussi apaisé les finalistes des options techniques dont les résultats de l'examen d'État ne sont pas encore disponibles car selon lui, la correction s'est faite manuellement alors que le nombre des élèves a grimpé du fait de la gratuité. Une occasion aussi de rassurer les enseignants nouvelles unités de l'école primaire, 58 000 seront payés dès la fin de ce mois, annonce Willy Bakonga Wilma. Par rapport à la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo Besugu sur l'exclusivité enseignante aux catholiques, le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique dénonce une discrimination inacceptable au sein du sous-secteur et promet d'échanger avec les responsables de l'Église catholique à ce sujet. À travers les provinces, l'on note aussi un engouement des élèves dans plusieurs écoles, de quoi se frotter les mains quant au ce qui a peu la rentrée scolaire 2020-2021 paraissait hypothétique. Même après qu'il ait lancé ce go, quelques écoles de la capitale sont restées timides. Taurine Bongo en a fait le constat. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 12 octobre 2020, presque sur toute l'étendue de la RDC. Ici à Kinshasa, dans quelques écoles, dans la commune de Lingwala, certains parents hésitent encore pour envoyer les enfants à l'école, d'où certaines salles de classe sont restées vides. Nous demandons aux parents de faire venir les enfants à l'école. La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui le 12, comme on avait dit avec le Premier ministre. Même si vous n'avez rien, mais essayez d'envoyer vos enfants, puisqu'ils ne puissent pas être en retard. Vous avez remarqué, avec le COVID-19, nous avons vraiment un grand retard. Alors nous voulons aussi récupérer. N'hésitez pas d'envoyer les enfants. Avec le peu que vous avez, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. L'année scolaire dure 222 jours en principe et celle-ci
2020-2021 s'est ouverte avec un retard d'un mois à cause du coronavirus. Et tous devrions participer pour rattraper les temps perdus. Vous avez certainement reconnu la voix d'Esther Badibiabia. Mais de l'autre côté, Jenny Tamboué et Sylvain Kapobobo-Sengele ont fait le constat dans une école de Kinouest et vous proposent plutôt ce reportage. 12 octobre, date fixée par les gouvernements à travers les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour la rentrée scolaire édition 2020-2021, a vécu dans toutes les écoles de la capitale RD congolaise. Aux établissements de Kinshasa-Ouest, par exemple, les bleus blancs ont répondu massivement au premier jour de la dite rentrée sous l'œil vigilant des responsables. À cette école conventionnée catholique, la tradition a été respectée. Après la prière introductive, suivi de l'aspersion des élèves par les abbés préfets et directeurs de discipline, les apprenants ont directement gagné leur salle de classe dans le strict respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Comme vous le savez, l'année passée, il y a eu beaucoup de pépins en ce qui concerne le déroulement des activités scolaires. Et nous avons senti quand même que les élèves avaient ce désir-là de rentrer, raison pour laquelle vous avez constaté que les élèves sont venus massivement pour prendre part aux activités scolaires organisées déjà au sein de notre complexe scolaire. La batterie est déjà mise en marche, d'où cet appel lancé à l'endroit de certains parents qui se montrent encore hésitants d'envoyer leurs enfants à l'école et plus particulièrement ceux dont les élèves étudient au niveau maternel. Il y a des parents qui parlent de l'intégration, les enfants restent à la maison, c'est la semaine de l'intégration. Mais les enfants ne s'intègrent pas à la maison, mais à l'école. Donc il faut envoyer les enfants à l'école, l'intégration doit se faire à l'école. L'enfant doit apprendre certaines choses et on doit le maîtriser à partir de l'école, pas à partir de la maison. L'on ne peut que souhaiter une excellente rentrée scolaire au futur cadre. Il faudra dire que la timidité a régné ce jour de la rentrée scolaire édition 2020-2021. Si dans d'autres écoles catholiques, certaines salles de classe étaient fermées, dans les privés, par contre, les écoliers étaient à compter au bout de doigts. Junior Kaneki est notre correspondant. En ce premier jour de la rentrée scolaire édition 2020-2021, il s'est observé une timidité dans les rues de Lubumbashi, contrairement aux années précédentes où l'on pouvait voir les hommes en bleu blanc, sac à main ou au dos, avec sourire aux lèvres, se précipitant pour marquer leur présence à la première séance. Mais ce lundi, les constats faits est amer, surtout dans les écoles catholiques. Les cours presque toutes vides, certaines portes des salles de classe fermées. Au regard de l'image de l'intérieur, certaines salles semblent ne pas être prêtes pour accueillir les écoliers. Par contre, dans les écoles privées, les élèves sont comptés des bouts du doigt. En dépit de cette timidité, l'autorité politico-administrative présente pour les constats s'est dit quand même satisfaite et rappelle à l'observance des mesures barrières. Vous savez que c'était un lundi, bon, c'est difficile hein, avec les enfants, tout ça. Il faudra courir derrière eux, même les enseignants. Mais dans les réseaux catholiques, nous avons remarqué que rien ne bouge là-bas. Je crois peut-être d'ici mercredi ils vont reprendre, mais nous avons quand même trouvé les enseignants qui sont là-bas, ils attendaient les enfants. Dans des écoles privées telles qu'ici, nous sommes satisfaits parce que les enfants ont repris les cours, les enfants ont étudié les cours, ce qui est important. Nous sommes très fiers de ça, et parce que la maladie n'est pas encore partie. Donc la pandémie est là, la pandémie de coronavirus est là. Mais nous venons de remarquer ici que voilà, toutes les mesures sont observées. Rappelons que la timidité à la rentrée scolaire édition 2020-2021 est liée à la situation socio-économique que traverse la plupart des parents. Du côté de Tanganyika, les enseignants boycottent, les élèves ne respectent pas les gestes barrières, fait qui indigne le ministre provincial de l'Éducation qui insiste sur l'application des gestes barrières dans les écoles. Mouma Fataki est notre correspondant. Il
Une rentrée scolaire timide dans les Tanganyika, handicapée d'un côté par la marche des enseignants qui ont laissé les élèves orphelins dans certains établissements scolaires et de l'autre côté, le respect des gestes et barrières observés à faible teneur par les élèves. Un aspect qui a attiré l'attention de Madame le ministre en charge de la Santé et Éducation Natacha Mlanguimpondou lors de sa visite dans quelques écoles de la place. Constat fait, faible pourcent d'élèves qui portent des masques et certains ne tiennent même pas en compte le lavage responsable des mains, malgré les dispositifs mis en place. Mais l'application souffre encore. Mais je suis un tout petit peu inquiète dans cette école parce que je vois que mes enfants ne respectent pas les mesures barrières. De vous tous ici, je ne peux que compter si c'est moins de 10 qui ont porté des masques. Vous tous, pourquoi vous ne le faites pas? Chaque fois nous vous sensibilisons, vous suivez des messages de sensibilisation à la radio, à la télévision. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais vous exhorter à vous protéger et à protéger votre environnement. S'il vous plaît, la COVID est déjà parmi nous et ce n'est pas une blague. Faites un effort que chacun soit muni de son masque parce qu'il va se protéger et il va protéger son environnement. Une séance de sensibilisation des élèves sur les mesures barrières serait une fois de plus souhaitable dans les écoles pour prévenir la santé de ces apprenants qui incarnent l'avenir de toute une nation. Chapitre à présent dans ce journal, ouverture de l'atelier résidentiel sur la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique lundi à Pullman, dans la commune de La Gombe. Les détails dans ce reportage de Taurine Bongo. L'administration publique, épine dorsale de l'appareil étatique au RD Congo, doit non seulement se rajeunir, mais aussi se moderniser pour être à la hauteur des enjeux de l'heure. Un atelier appelé atelier résidentiel a été ouvert pour ces objectifs. C'est lundi 12 octobre 2020, en présence du représentant du Premier ministre, à savoir Willy Ngopos Sundzel, vice-premier ministre en charge des infrastructures. L'atelier global est une initiative globale du ministère de la Fonction. En tant qu'autorité des tutelles de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, des CMFAEP et du projet de réforme de réajustement de l'administration publique, réformes qui sont exécutées grâce au soutien des partenaires techniques et du monde. Les objectifs visés au bout du rouleau concernent plusieurs portefeuilles de l'État. C'est ainsi que Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique, a planché sur la nécessité d'améliorer la performance du gouvernement par la digitalisation de tous les services de l'État. L'état des droits rime bien avec la phrase tant vantée du peuple d'abord. Et les ministères de la fonction publique insistent sur les résultats voulus efficaces au profit de l'État. Il me paraît important de rappeler que notre administration publique a besoin de ressources humaines de qualité devant assurer son bon fonctionnement et lui permettre de remplir avec efficacité et efficience son rôle dans la conduite de notre politique de développement économique et social. Appuyé par plusieurs pays, au nombre desquels l'on cite la France, la Belgique, aux côtés des mégastructures telles que la Banque mondiale, cette rencontre va durer une semaine. Désormais, les habitants de Kinshasa compteront sur le programme de réinsertion de Kuluna grâce à l'initiateur de l'ONG G24, Jean-Marie Lukulasi-Masamba. Ce projet bénéficie du soutien du gouvernement et des partenaires sous le haut patronage du chef de l'État. L'annonce a été faite samedi 10 octobre 2020 au siège du G24 dans la commune de Kalamu. Africa Mujinga nous en dit plus. Cette bâtisse va abriter les bureaux de réinsertion des enfants appelés Kuluna. Les samedis 10 octobre 2020, il était plus question pour le président de l'ONG G24, Jean-Marie Lukulasi, de non seulement conscientiser les enfants fauteurs de troubles, mais aussi de procéder à l'enregistrement de chacun d'eux. Ces jeunes vont bénéficier d'un programme de rééducation devant leur assurer
une réinsertion sociale. Ils auront également pour mission de prêcher la paix et l'éradication des phénomènes Kuluna dans les quartiers de Kinshasa. Ils seront des médiateurs dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Nous allons créer un centre de désintoxication, un centre de rééducation et un centre de formation. C'était des ex-voyous aujourd'hui que je considère. Ils seront en face de voyous pour leur expliquer la vie. Il ne faut pas faire du mal aux autres. J'ai de l'expérience, j'en ai fait en Belgique, et en France et à Marseille. Je suis très content, j'ai été reçu par le général Kassongo. Nous allons travailler en collaboration. La personne qui va nous écouter, il sera avec nous. Oumoutou Makassi, il sera chez Kassongo Kanya Makassese. J'espère que l'esprit qu'on a commencé aujourd'hui, ils sont tous d'accord, on va travailler comme ça. Une première phase de cette opération, initiative du chef de l'État, concerne 2000 jeunes de Kinshasa en raison des 500 par district. Ce projet est appuyé par le gouvernement et certains partenaires, a révélé le président du G24. Le chef d'État m'a rassuré à 100% et j'ai été reçu par le ministre de Budget, ministre de Finances et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils m'ont rassuré qu'ils vont mettre des moyens pour ça. Et aussi mes partenaires de France et Belgique qui vont nous soutenir. Voilà. Kinshasa espère voir cette opération taire toute forme de barbarie dans ses quartiers et communes. Dans le même registre, invité de l'émission La Semaine du Monde à la radio, la télévision belge de la communauté française RTBF, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kakonde, a évoqué quelques sujets d'actualité en République démocratique du Congo, notamment la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez. De passage en Belgique, le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kakonde, a profité de son séjour pour faire le point de quelques dossiers d'actualité liés à la République démocratique du Congo à la radio-télévision belge de la communauté française RTBF. La situation sécuritaire dans l'est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a figuré parmi les sujets abordés. Selon le VPM de l'Intérieur, beaucoup de choses ont été faites pour restaurer durablement la paix dans cette partie du pays. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'il y a toutes les opérations de nettoyage qui se poursuivent. Et c'est comme ça qu'on lance des appels à toute la population. La sécurité est une affaire de tous. Ceux qui ont des indices, ceux qui savent où il y a des niches de ces gens, eh ben, nous les invitons à collaborer avec les forces armées, avec tous nos services. Nous déployons tous nos services, toutes les enquêtes sont menées minutieusement et quelle que soit la position occupée par X ou Y, la paix n'a pas de prix et ces prix-là, nous allons les rechercher. Pour ce qui est des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, le VPM a fixé l'opinion en ces termes. Aujourd'hui, ce sont de très très bonnes relations. D'abord, le président de la République a eu à l'exprimer de manière très, très claire. Et il y est allé même de manière très forte en disant que la Belgique constituait son deuxième chez lui. Je crois qu'il a manqué, il les marque chaque fois. Il y a à peine une semaine, il était encore ici. Et il a des relations, que ce soit au niveau personnel ou au niveau institutionnel. Nous sommes à un haut niveau de très bonnes relations. S'agissant du rapport mapping, je cite, « Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous agissons pour rendre la justice réellement indépendante. » Fin de citation. Le patron de la territoriale a fait remarquer qu'ils n'ont pas été d'accord avec le fonctionnement de l'appareil judiciaire de l'époque. Il faudra savoir aussi que l'honorable Guy Luando a fait un don d'équipement au groupement Omnisport Militaire du camp Kokolo le week-end dernier. Le président de Widal Foundation a également pris part à la cérémonie de remise de brevet aux participants de la formation professionnelle et initiation à l'entrepreneuriat. Une fois de plus, Patricia Molengo Mbolekouni. Dans sa casquette de président de la Fondation Widal, l'élu de la Tchouapa, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, a remis samedi 10 octobre 2020 les moyens financiers aux différentes disciplines sportives du groupement Omnisportif Militaire pour l'achat des équipements. Cette brève cérémonie a été organisée en présence du général-major Bombele Loala Kamil, président du groupement Omnisportif Militaire. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans ce cadre le maître président de l'ONG Widal, qui est venu nous honorer avec sa présence d'abord,
mais aussi plus encore avec les équipements qu'ils nous apportent. Pourquoi le choix de FRDC? Le sénateur Guy Luando Mboyo répond. L'armée a comme a pour mission de défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour défendre cette intégrité, il faut qu'on soit en bonne santé. Je crois que c'est le souci, que ce soit par le commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major des forces armées, de toutes les autorités du pays, que l'armée soit en bonne santé. Et le sport, c'est un des facteurs assez importants pour que notre armée, que la famille des militaires, que les enfants des militaires soient en bonne santé. Et donc, lorsque nous avons été saisis par le commandant du 14e région militaire, le général ici présent, Widal prône aussi l'épanouissement. Vous savez, chez nous, nous disons tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Le sport, c'est parmi les facteurs de l'épanouissement. Après le camp Kokolo, le président de la Fondation Widal est allé remettre des brevets de participation aux lauréats de la formation professionnelle et initiative à l'entrepreneuriat au quartier Kanluka, un projet du mouvement des sans-emploi financé par la Fondation Widal. Parlons sport à présent. Dans ce journal, du 17 au 18 octobre 2020, Kinshasa va abriter un camp d'entraînement et une compétition de basketball 3x3 organisée par la structure Drills Paris en collaboration avec le point focal de la RDC Trésor Nganga. Le cadre choisi est le Stadium de Martyrs. Le reportage de Papi Katassi et Rigo Melopo. Les exploits du basketball 3x3 RD Congolais depuis les Jeux africains de Rabat 2019 commencent déjà à produire ses fruits. Une méga structure qui organise des tournois et camps d'entraînement à travers le monde est déjà à Kinshasa pour donner le go à une série d'activités qui commence déjà dès ce mercredi avec un camp d'entraînement au sein des Martyrs de la Pentecôte. Un concept qui s'appelle Driss Basket House et qui permet d'aider au développement du basket 3x3, que ce soit en Europe mais aussi en Afrique. Surtout en Afrique, pour permettre justement aux équipes africaines de gagner le maximum de points en faisant le maximum de tournois pour être qualifiés aux grandes compétitions africaines et internationales, dont les JO 2024 ou même la Coupe du Monde. L'objectif, c'est de faire des tournois de qualité FIBA, qui aujourd'hui n'existent pas beaucoup en Afrique, et de faire une tournée dans plusieurs pays pour pouvoir justement vulgariser le basket 3x3. Mis en place pour Kinshasa, spécialement pour la RDC, on va faire un camp de basket 3x3. Ensuite, une formation pour les de U13 à U18, donc de 12-13 à 18 ans, pendant 3 jours. Et ensuite, le soir, on va faire un camp de perfectionnement pour les équipes nationales seniors, filles et garçons. Aujourd'hui, pour débuter, on met 2 000 $ en jeu pour ce tournoi qui va être réparti entre les hommes et les femmes du 1er, 2e, 3e ou 4e. C'est vraiment pour encourager les gens. Et une fois qu'on va mettre la ligue en place, là, on va faire des tournois, peut-être un tournoi par mois ou un tournoi tous les 3 semaines. Une autre très bonne nouvelle pour le basketball 3x3 RD Congolais, le matériel promis par la FIBA Afrique sont déjà à Kinshasa. Le terrain est arrivé depuis ce jeudi à Kinshasa. Donc là, nous allons, à partir de demain, rapidement, essayer d'impliquer les autorités pour que ce terrain sorte d'ici ce mardi, pour que mercredi, on commence à l'utiliser. Un appel à qui de droit, aux autorités, de nous faciliter la tâche afin que ce matériel sorte rapidement pour que ce tournoi puisse jouer dans les bonnes conditions. Les rendez-vous sont donc pris pour ce mercredi 14 septembre 2020 pour les cas d'entraînement et les 17 et les 18 octobre de l'année en cours pour les Drills Open House de Kinshasa, toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les hommages des albinos de Kinshasa à leur président Mwimba Texas, qui a rendu l'âme depuis le 30 août dernier. Il a été enterré après 40 jours au cimetière de Benseke le samedi 10 octobre 2020. Plusieurs personnalités étaient présentes. Parmi eux, on pouvait compter le ministre Amos Mbayo. Reportage. Les sportifs de Kinshasa et Albinos ont rendu un hommage mérité au catcheur Mwimba Texas samedi à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Au chapitre des témoignages, toutes les personnes ont reconnu que le catcheur international congolais Mwimba Texas avait la détermination, l'esprit d'équipe, la volonté d'aider les autres et lutter pour l'intégration des Albinos dans la société. Mwimba Texas, tu as apporté la lumière dans la vie des albinos. Tu avais les paroles de paix et d'assurance. Champion, tu n'étais pas le seul Nundu à avoir réussi sa vie, mais tu étais le vrai premier à crier fort pour la
cause de Ndundu. Tu n'étais pas le premier Ndundu à avoir marché la tête haute, mais tu as fait que chaque Ndundu n'ait sa tête déjà haute. Oui, tu dis Ndundu, vois-moi ma Texas. Pour sa part, Maître Irène Issabou Diatta, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, s'est dit satisfaite de la qualité des travaux abattus et les savoir-faire de Mwemba Texas, en ajoutant qu'il était disponible à servir les autres. Elle ne regrette pas d'avoir fait son choix sur Mwemba Texas comme conseiller en charge d'études au ministère. Le ministre des Sports, Amos Mbayou Kitenge, a salué la mémoire de Luce disparue. Les deux ministres, à savoir Amos Mbayou et Irène Sambo, ont déposé leur gerbe de fleurs. Pour rappel, le champion international congolais qui luttait pour un 400 fétiche, Mwemba Texas, est décédé le 30 août 2020 et il a été enterré au cimetière d'Mbenteke, Nouvelle Cité. Rentrée scolaire 2020-2021 et affaire Minembwe, deux sujets que les journaux parus ce lundi 12 octobre ont repris dans leur colonne et sur lesquels Polydor revient dans la synthèse de l'actualité. Revue de presse. L'actualité en ce début de semaine, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sur laquelle plane des incertitudes selon Forum des As. La première hypothèque est la cacophonie ambiante dans les différentes organisations de défense des intérêts des enseignants. En effet, écrit Le Quotidien, pas plus tard que le week-end dernier, le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, et celui des enseignants catholiques, SINECAT, ont ouvertement appeler leurs membres à ne pas reprendre les cours dès ce matin, aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas respecté ses engagements pris dans l'accord dit de Bibois. Ces deux syndicats exigent la prise en compte sur les listings des enseignants non payés et de nouvelles unités. S'ajoute à cela la suppression des zones salariales qui accordent une enveloppe plus volumineuse. De cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Scolaire 2020-2021 est effective à travers le tendu du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma. Ouverture ce lundi 12 octobre à Pullman Hotel de l'atelier résidentiel sur la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous. Moi, vous avez le stade de Martyr, symbole du sport en République démocratique du Congo. Nous vous avons servi pendant plus d'une vingtaine d'années et aujourd'hui, vous, chers téléspectateurs, vous avez fait d'Antenna la chaîne des références. Et nous vous promettons encore bien d'innovation pour que vous trouviez un autre qualificatif pour votre chaîne de référence.